Coucou, c'est enfin YouTube, je suis Suzucube et je suis content de vous retrouver. J'ai pas pris mon micro, je suis désolé. Je voulais vous montrer ça. Alors, ceci, c'est le casque Diva Overwatch officiel, fait par Razer. Et ce qui est vraiment important, c'est que il est signé par toute l'équipe des London Spitfire. Voilà. Avec Profit. Quand j'avais été à l'E3, j'avais la chance de tous les voir. Il y a un petit vlog à ce sujet. Vous le mettrez peut-être en réel. Je vais regarder comment je peux vous le mettre. Et j'avais pu participer à. Bah, j'avais pu justement voir toute l'équipe tout simplement. Et c'était quand même une grande chance. Et en fait, surtout que j'avais sous la main, c'était ce casque que j'avais acheté juste avant dans la boutique Blizzard. On peut voir aussi qu'il y a d'ailleurs un tapis de souris qui était disponible, moi que j'ai pas, et pas une figurine, c'est un dessin. Donc moi on propose, c'est pas un vrai unboxing parce que j'ai déjà fait l'unboxing et je l'ai déjà ouvert ce casque, mais voilà. Alors je sais pas dans quel état il est. Je découvre en même temps que vous. Alors je vois qu'il y a un écouteur qui... Bon, ça va, ça se nettoie, je pense que ça a juste blanchi un peu. Et les écouteurs, ils sont triangulaires. Alors en vrai... Ah, et au-dessus aussi, là, ça s'abîme. Ça s'abîme. Donc comme quoi, laisser un casque dans son carton, ça n'a pas de sens parce que ça s'abîme. Il a 4 ou 5 ans, ce casque. C'est en 2018, je crois que je suis parti à l'E3. Ouais, ça, c'est en 2018. Donc, il a 4 ans, ce casque. Et en 4 ans, on peut voir que c'est quand même un peu abîmé, malgré que je l'ai mis dans une boîte sans bouger, quoi. Sans bouger. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Déjà, à l'époque, quand j'avais fait l'unboxing, il n'y avait déjà pas grand-chose à dire, si ce n'est que... c'est un casque Diva, quoi, voilà, des oreilles. Il y a un moustique qui a réussi à éteindre l'éclairage, j'hallucine, quoi, avec les oreilles sur le côté. Je crois que c'était l'unboxing le plus rapide de l'histoire des unboxings, et je vais me demander pourquoi j'ai fait cet unboxing. Je sais pas, j'avais envie d'en parler, je l'ai retrouvé en fait, et j'avais envie de parler de ce casque. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à chez Otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye. Stop!